Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'incitation du lundi. Aujourd'hui, j'ai envie de partir sur quelque chose de très libre, de très intuitif, quelque chose sur laquelle on n'allait pas vraiment pouvoir intervenir pour tester un petit peu notre résistance en fait et notre acceptation à l'inattendu, à la surprise et à la non-maîtrise en fait de ce qu'on crée. Voilà, de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors, pour faire ça, en fait, je vais utiliser du papier. J'ai pris un papier aquarelle, mais ça peut être un papier technique mixte, par exemple. Tout ce que je veux, c'est un papier qui soit suffisamment épais pour pouvoir supporter du médium humide, puisque je vais utiliser de l'eau et je vais utiliser également des encres acryliques. Pour ma part, j'ai choisi de prendre du gris de pen et du doré, mais tu choisis vraiment les couleurs qui te plaisent et qui t'intéressent le plus. Pour toi, en fait, hein, c'est vraiment une question de goût personnel. Je n'ai pris que deux teintes parce que comme on va laisser les couleurs se mélanger vraiment de manière très libre, hein, une fois de plus, si je prends plus de couleurs, j'ai peur que ça finisse un petit peu en boue et que ce soit pas très joli. Donc, je vais prendre une page vierge. Et en fait, ça va aller très vite aujourd'hui parce que vraiment, les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes. On va pas vraiment pouvoir intervenir dessus. On va juste observer en fait la magie de l'encre qui va se diffuser. Je vais juste prendre de l'eau que je vais vaporiser. Tu vois, je vaporise bien. Voilà, mon papier gondole déjà. Je vais juste bouger un petit peu mon papier comme ça. Voilà, histoire de répartir. J'ai pas du tout envie de répartir à la main parce que je veux pas du tout quelque chose qui soit trop, comment dire, trop maîtrisé. Voilà, je veux vraiment que ça reste très libre. Et je me mets assez haut. Je vais venir laisser couler quelques gouttes d'encre sur mon papier. Je l'éclabousse un peu partout. Hein. J'en ai partout sur la table, mais c'est pas grave. Ça ne me gêne absolument pas. Voilà. Hop, là je passe devant, donc tu vois rien du tout, mais voilà, je retire la main. Et là, tu vois, je laisse vraiment les choses se faire d'elles-mêmes. Je laisse se diffuser. Je rajoute juste quelques petites touches de doré. Par-ci, par-là. Et alors là, si vraiment j'ai envie d'intervenir, je vais juste souffler sur les encres pour les mélanger. J'ai vraiment pas du tout envie d'intervenir physiquement dessus avec mes mains ou avec un pinceau. Je pourrais aussi tout simplement venir faire bouger comme ceci. Mes encres les unes dans les autres. Et si vraiment il y a des endroits qui me paraissent trop ciblés, comme ici par exemple, je refais fuser avec juste un peu d'eau. T'as vu comment ça se diffuse là? Quand ça fuse, c'est trop beau. Je vais rapprocher et je vais faire ça de plus près pour que tu vois mieux. Je vais travailler sur cette tâche-là. T'as vu la magie du truc? Voilà. Et je ne vais pas aller plus loin, je vais considérer que c'est déjà fini pour aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment envie que les choses se fassent très naturellement. Si je vois que j'ai des endroits avec des grosses flaques, là, je peux venir un peu prélever avec un chiffon. Là, on a parfois des endroits qui sont trop humides. Là, un petit coup de chiffon. Ça me rajoute un peu de texture en plus et c'est pas une intervention vraiment directe. Donc, j'accepte. J'accepte de le faire. Ok. Ok.
Voilà. Et pour moi, ça va être bon. Je suis juste embêtée par cette tache ici qui descend vers le bas et qui me chagrine un peu. Donc voilà, je l'enlève un petit peu. Ah oui, ça me paraît beaucoup mieux. Voilà, et je vais en rester là, je vais vraiment laisser sécher. Et une fois que ce sera sec, eh bien, on va découvrir un petit peu toute la magie de l'encre qui aura séché, qui se sera mélangée et qui aura bien pigmenté la feuille. Ce type de trucs en fait vraiment très rapide, ça peut être génial pour faire un fond dans un art journal par exemple, de manière très intuitive et très libre, sur lesquels on peut revenir travailler ensuite, d'autant que souvent quand on laisse l'encre va faire son petit bonhomme de chemin, très très souvent en fait quand on va revenir derrière une fois que ce sera sec, ça va nous évoquer des choses en fait, ça va nous évoquer des forts ou des silhouettes familières ou des choses comme ça, et ça va être vraiment pratique pour revenir travailler par-dessus dans un art journal, parce qu'on aura déjà quelque chose de très riche en fait en fond qui sera tout à fait exploitable. Voilà, donc j'espère que tu auras apprécié ce petit truc très court ce lundi-ci, mais qui vraiment est vraiment très sympa selon moi à utiliser, parce que ça nous permet vraiment de, ouais, une fois de plus, de repousser nos limites dans l'acceptation du hasard en fait, hein, parce que là on n'a rien fait nous-mêmes en fait, tout s'est fait de soi-même. Et c'est intéressant aussi parfois d'avoir ce recul-là, de laisser faire les choses. Parce que souvent, il y a des choses très très jolies qui se passent pour peu qu'on leur permette ben, de se faire tout simplement et qu'on n'ait pas envie d'intervenir systématiquement. Donc si tu testes cette petite incitation créative, ben, surtout n'hésite pas à nous partager ton résultat, qu'on voit un peu ce que tu en as fait. Si les petites vidéos du lundi t'intéressent et que tu ne veux pas en rater une seule, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour être tenu ben, au courant de chacune des sorties. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter sur le site internet, comme ça tu ne rateras ben, aucune de mes propositions créatives. Voilà, je te souhaite une très très belle semaine avec beaucoup d'inspiration et je te dis à lundi prochain.